الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدابرونه فيما بينهم. Les frères vont tourner pour le projet. Inch'Allah, il y a des frères qui vont passer par nous, Inch'Allah, pour ramasser un peu d'argent pour la commencer, Inch'Allah. Chacun de nous, Inch'Allah, participe, Inch'Allah. On profite des opportunités. L'insan, il y a un peu de l'insan. Quand la personne elle a la santé, elle a le temps et elle a les moyens financiers, il profite de l'occasion. Parce qu'il viendra un jour pour lui taire. Car avec l'insan, il y a un matin de chien, en fait, il y a un insan, il y a un matin de chien. Et ce jour-là, il regrette, la personne regrette et dit: j'aurais dû dépenser, avancer pour ma vie future. الإنسان الكيس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الكيس من كان نفسه عمله لما بعمله. الكيس هو الإنسان الذي عنده أعلى عقل كما ذكره الله عز وجل في القرآن. قال أسماهم أصحاب العقول الطيبة، قال: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لمن؟ لأولي الألباب. أولي الألباب أولي العقول النيرة. ضيع السيسي هنا القرآن الذي dans la création du ciel et de la terre et l'alternance du jour et de la nuit, il y a certes des signes, mais pour qui? Pour les gens d'où ils ont l'intelligence. Et les gens, ils ont le cerveau, ils font la sensibilité, ils disent de nouer l'intelligence. Celui qui a vraiment le cerveau qui fonctionne, c'est celui qui ne suit pas ses envies, il travaille pour la vie de l'autre. Et l'handicapé. Et ce n'est pas l'handicapé physique, il est handicapé mental, moral. Il n'a pas de cerveau qui fonctionne correctement. Il suit ses envies et ce n'est pas grave, après il est pardonné, après il est miséricordieux. L'insan, d'ailleurs, il y a beaucoup de pays sur le plan de l'insan. Je te mets à Allah, subhanahu wa ta'ala, qu'Allah n'a dit sallallahu sallam, « Wa la shama aqawmu fi bayti min buyuti la biyatuna kitab Allah wa yadada rasulahu baynahu illa nazalat alaykum as-sakina wa ashiyatum ar-rahma حفتهم الملائكة وذكرهم الله في الملائكة أو كما قال سبحانه. فسنة سنة دي يا بان أم دي جون كي سيرين إز دون لي ودي مزان دان الله سبحانه وتعالى pour lire son livre et méditer sur sa contenance sans qu'Allah سبحانه وتعالى ait des sentiments, la sérénité. Et il faut avec ça des êtres les ombres et les emplois avec leurs ailes et Allah il dimension auprès de lui. يذكره الله فيما عنده. وشرف الإنسان أن الإنسان يذكره. Ça, c'est le plus grand honneur, c'est que l'être humain soit cité, son nom soit cité par Allah lui-même. Allah, il y a un esprit. Allah, il cite le nom, la personne par son nom sur terre. Il y a un gros mot. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ma'a khadiba, radiyallahu anha, anazala jibril alayhi sallallahu alayhi wa sallam, asallam ala nabi sallallahu alayhi wa sallam. Khadija, sallalat nabi sallallahu alayhi wa sallam, wa anfaqat malaha. كل المال الذي كان عندها انفقته من اجل النبي صلى الله عليه وسلم. وبقت معها حتى توفي رضي الله عنها وارضاها. فالله رضي عنها. فنزل جبريل عليه الصلاه والسلام وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: ان الله يقرئك السلام ويقول لك: اقرئ خديجه رضي الله عنها السلام. فخديجه قالت لما اخبرها النبي صلى الله عليه وسلم قالت: اذكرني الله يا رسول الله. اذكرني هذا اكبر شرف. المرأة الوحيدة التي سلم الله عليها من السماء هي خديجة. سلم على أبو بكر وسلم على بلال، ولكن ما سلم على مرأة إلا على خديجة. فخديجة لما سمعت قالها: الله ذكرك، رفعت يديها إلى السماء وقالت: اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يرجع السلام. تبارك يا ذا الجلال والإكرام. وفرح النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الدعاء وجعله في كل صلاة. Le plus grand honneur, c'est que la personne soit citée au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a des gens qui sont connus sur terre, mais ils sont ignorés par Il y a beaucoup de gens qui sont connus sur terre. Ils passent à la télé, ils sont partout, ils sont connus, mais par Allah, ils sont inconnus.
وفريد الله الله يجيب رضا إلا ولا رضا. وأناس مجهولين في الدنيا ولكن معروف عنهم. Il y a des gens qui sont ignorés sur terre, personne ne les calcule, mais ils sont connus au plus long. Là, tu veux dire, alayhi sallam wa sallam wa sallam ala nabi sallallahu alayhi wa sallam, faut pas parler à l'amour, ya Rasulullah, qu'on s'appelait ma'adam. Abou Dhab, qu'on l'a dit, qu'on s'appelait ma'adam. Faqad, ya, qu'on a dit, nabi sallam, ya, tu veux dire, qu'on a dit, 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 Alors il lui a passé le salam, il lui a dit, Jibril il a dit à Rasulullah, il a dit passe le salam à Abu Dhabi, il lui a dit Jibril il passe le salam. Il lui a dit tu connais Abu Dhabi. Il lui a dit par Allah. Il est connu auprès des gens du ciel, mais plus qu'il est connu sur terre. Alors, avec quoi il est connu maintenant auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Avec sa religion, avec ses qualités. Et dit et dit. Allah la yakhlu al kadhib. Allah il déteste les gens qui sont vulgaires. Allah il aime maintenant le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala dit innaka la'ala kulli azim. Allah subhanahu wa ta'ala le prophète sallallahu alayhi wa sallam il l'a félicité pour le fonctionnement qu'il a. Il a dit tu es certainement de bonne moralité, d'un bon comportement. Le maqsad min hayat al insan kulli huwa hatta yatahassal ala hadhihi al akhlaq. Le but de l'adoration, de cette fatigue, toute cette fatigue dans l'adoration, c'est d'exceller dans l'immocalisme. Quand il y a un peu de l'insane, il y a un peu de l'autre. Comme a dit l'Abbé Sarasana, il n'a pas de religion, c'est lui qui n'a pas de Alors, Jibril, il est venu voir le prophète sallallahu alayhi. Il était avec Khadija, il y a pas mal. Khadija qui a dépensé toute sa fortune pour soutenir le prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à ce qu'il est mort. Et Allah subhanahu wa ta'ala il a appelé, il a envoyé Jibril alayhi salam, il est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit à Allah subhanahu wa ta'ala tu passes le salam, il te demande de passer le salam d'Allah ou à Aisha. Ah Khadija. Et Khadija elle était contente quand il lui a dit. Il lui a dit à Allah, est-ce que Allah est bien, il a cité mon nom? Il lui a dit oui. Alors elle a fait dua. Allahumma anta salam, anta salam, alayka arji'u as-salam, tabaraka ya jalal al-ikram. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a fait ce dua, il a laissé dans sa prière. À chaque prière, on le dit. Allahumma anta salam, alayka as-salam, tabaraka ya jalal al-ikram. Le but, c'est comme chacun de nous, il faut qu'il excelle tous les jours. Mal lam yakun fi ziyada fa huwa fi nuqsan. Celui qui n'est pas en augmentation, il est automatiquement en diminution. وحتى الإنسان يزيد يفوت دولة غريجون وفي هذه الفرق سمي كما قلت بس بس كاسي دولة غريجون يفوت بس 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 يفوت هذه الفرق دوسمون مي سيورون مي اون إكسل فو با رستي ستاج فو با ستاغني أبخي لأدوار لأدوراسيون لا غريجون يبقى تبنير إن روتين يفو إكسلي دولة غريجون تولي جور اون إكسل تولي جور اون أفوتان ان فرسي دو بيش دو قرطان تولي جور اون أفوان نوكو حديث تولي جور اون أفوان une nouvelle sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam tous les jours on fait une prière en plus et ainsi de suite et ainsi de suite mais il faut l'aider doucement le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit l'anmushadda hada dinu illa ala celui qui s'est de durcir cette religion elle va le casser elle va le plier en deux il faut y aller doucement mais il faut y aller doucement et sûrement hada nafs nafs l'âme bestiale qu'on a en nous toi tu as fait pour moi tu as fait pour moi tu as fait L'âme des siècles pour nous, elle s'éduque comme le bébé, comme l'enfant quand il est petit. On est libre. Par les mains, elle va aller la chair. L'âme bestiale, elle neuf, elle n'aime pas faire la prière, elle n'aime pas se lever dans la nuit, elle n'aime pas lire le Coran, elle n'aime pas faire le fiqh. Parce qu'elle ne fait pas le lien dedans parce qu'elle ne le connaît pas. Il y a bata. Un savant, il a donné un exemple. Il a dit c'est comme le bébé. Le bébé, quand il atteint l'âge de 2 ans, sa mère est obligée de le sevrer. Maintenant, le symbolisme, c'est fini. Allah subhanahu wa ta'ala. فرض من الله سبحانه وتعالى. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين من القرآن ثم رضع. C'est une obligation de Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un ordre. La mère qui veut accomplir son droit envers son fils, elle doit l'allaiter pendant 2 ans. Celui qui ne donne pas son sein, son lait à son bébé pendant 2 ans, en ayant la capacité. Il y a des femmes, des fois, elle est malade, elle n'a pas de lait, elle ne peut pas le faire. Celle-là, elle est excusée. Et celle qui a la capacité, c'est qu'elle elle a les moyens physiques pour le faire, elle ne le fait pas, elle n'a pas donné le droit de son enfant. Et c'est pour ça que les enfants, aujourd'hui, ils ont mis leurs parents.
Le bébé est né, dès la première semaine, elle commence à l'empoisonner avec le biberon. Et après, elle le prend, elle le jette comme un chien dans une chambre tout seul. Après, elle dit, mes enfants, ils ne m'obéissent pas. Parce que toi, tu ne les as pas obéis. Tu ne leur as pas donné leur droit. Donc, chacun de cette neuf, l'âme bestiaire qui est pour nous, c'est comme cet enfant. Quand il commence, la mayence, Amen. La Zenyoufam, le Habib Babrachdir, il n'a plus le droit de prendre le sein. Alors sa mère, elle essaye de lui donner à manger. Le pain, les frites, et ainsi de suite, et le reste. Mais lui, il ne veut pas. Il ne veut pas, il veut juste le sein, parce qu'il ne connaît que ça. Alors sa mère, qu'est-ce qu'elle fait? Louchez-nous au blé, ils mettent soit le harissa, du tri piquant sur le sein. Alors quand elle donne le bébé, il insiste à manger, donc le sein, il se brûle. Une ou deux fois, c'est fini, il ne touche plus le sein. Après lui, qu'est-ce qu'il pense? Il pense que sa mère a lui fait du mal. Mais après, quand il découvre tous les biens qu'il y a, tous les fruits et tout le manger qu'il y a, et toutes les boissons, qu'est-ce qu'il dit? Elle dit, c'est vrai, ma mère, elle ne veut que du bien. Hakana nafs, c'est comme ça. Le nafs, l'âme des cercles est en nous. Tu la haches, tu la ramènes petit à petit vers l'adoration. Elle ne veut pas. Le sahaba, il y a un malapal. Ils ont dit, on a trouvé le bien, tout le bien, dans les désagréments. Les choses qu'elle n'aime pas de nafs. Qui c'est qui se lève? Faire les ablutions malgré les désagréments. Tu te lèves le matin, il fait froid, tu n'as pas envie de lever, tu n'as pas envie de laisser ton lit. Et il faut faire les ablutions et ainsi de suite. Et parfois, la il travaille peut-être dans un endroit où il n'y a pas de chauffage, où il n'y a pas. Et ainsi, il y a beaucoup de difficultés. Mais dans cette difficulté, il y a tout le bien. Après, il y a l'éducation de nafs. Petit à petit, cette nafs, quand elle va goûter le bien, quand elle va découvrir la véritable foi, il y a, comme il a dit le professeur, trois caractéristiques, celui qui les possède, il trouvera la douceur de la foi. Mais ces caractéristiques, ils ne viennent pas comme ça. Ils viennent en insistant, en faisant des efforts. Allah Azza wa Jalla qala walladina jahadu fina lanahdiyanahum. Ceux qui font des efforts, oh non, sans effort, il n'y a pas de récompense. Allah Cheikh Hassan, tu veux. Allah il va former Inch'Allah. De toute façon, Inch'Allah, le Ramadan il va commencer Inch'Allah, il va y avoir des doros, il va y avoir Inch'Allah. Chacun de nous, il se prépare Inch'Allah.